qu'une sablière? Ah, une sablière, mais comme son nom l'indique, c'est beaucoup de sable. En fait, là, c'était une carrière de sable. Une carrière où les maçons venaient chercher le sable pour construire les maisons. Quand la sablière a été exploitée? Oh, il y a très longtemps. Là, je me souviens pas, je suis pas assez vieux pour ça. Hein. Mais il y a très très longtemps que les maçons utilisent le sable ici. Pourquoi avoir choisi ce sable-là? Ah, ce sable-là, en fait, c'est un petit peu le même que celui de la forêt de Fontainebleau. C'est le sable qu'il y avait ici, il était tout proche, et c'est pour construire les maisons du village et des villages autour. Mais il avait quoi de particulier, ce sable? Il est très fin, et on mélangeait avec de la chaux, et avec ce sable-là, on pouvait faire un mortier pour coller les pierres et construire les maisons. À quoi servit-il? À faire du verre? Ah non, ici on ne faisait pas de verre. Non, c'est que du sable, c'est que du sable de construction. C'est les maçons qui venaient eux-mêmes chercher leur sable avec, à l'époque, leur cheval, leur tombereau ou des brouettes pour l'extraire. Parce que vous voyez, il y a des trous tout autour, c'est là qu'on prenait le sable. C'est dans tous ces trous qu'ils ont laissé à force d'en enlever. Dans le passé, à quoi ressemblait-elle? Quand j'avais votre âge, elle était exactement comme ça. Parce qu'on ne l'exploite plus depuis longtemps maintenant. On préfère prendre d'autres sables. En quelle année avez-vous commencé à jouer? Quand on avait votre âge. Bon, on venait régulièrement jouer ici, descendre cette pente à toute vitesse, tomber dans le sable en bas, manger du sable. courir, oui, courir, monter. Voilà. On grimpait mieux qu'on grimpe aujourd'hui, quoi. Voilà, mais on descendait très vite. Oui. Il y avait une roche qui s'appelait la grotte, là, où on pouvait se glisser en dessous. Aujourd'hui, on ne peut plus, mais on pouvait se glisser en dessous. Et il y avait même une cheminée à l'arrière de la grotte. On pouvait descendre dans la grotte par cette cheminée. Ça faisait un peu peur, hein. Puis c'était sombre, puis il y avait des bêtes méchantes qui nous attendaient dans la grotte. Mais il y a toujours des gens qui sont venus ici à la Sablière. Il y en a même avant nous qui sont venus et qui ont gravé leur nom sur les roches. Comme ça peut se faire sur les arbres, les prénoms, avec un cœur, avec les deux initiales dedans, c'est pour la vie. Jusqu'à quel âge avez-vous joué à la sablière? Moi, je joue toujours.